les années 50, et là on revient dans les années 50 avec une voiture française, une populaire française. Parce qu'il faut dire que la R8, si c'est pas une populaire, alors là, la R8 c'est une voiture de grande diffusion. C'était un grand succès de chez Renault, comme la Dauphine et la Calcio avant. Hein. C'est la continuité d'ailleurs de la Calcio et de la Dauphine. Toujours cette conception de moteur arrière. Ça se faisait d'ailleurs beaucoup chez les autres, hein, chez Fiat notamment. Ce n'était pas les seuls, chez Volkswagen avec la Coccinelle. Et il y avait beaucoup de modèles à moteur arrière. Et la R8, eh bien, elle a été présentée pour la première fois en 1900. Attention, le public. 62. Et voilà, c'est pas 61, c'est 62 pour la première fois. Et les derniers modèles, ça doit dater de 72 à peu près. On va voir, on ne fait pas des fois. Donc un gros succès. Et donc, et ben pour revenir à la R8, elle a connu plusieurs motorisations, des petits moteurs, les plus gros. La plus connue, la R8, celle qui a fait rêver un tas de pilotes, notamment, c'est la R8 Gordini. Bleu. Voilà, en 1100 d'abord, et ensuite en 1300, hein, la R8 Gordini, avec la coupe Gordini. Mais il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas se payer la R8 Gordini parce qu'elle était quand même relativement chère. Donc chez Renault, à un moment donné, ils ont fait une version entre la R8 Gordini et la R8 normale, on va dire. C'était la R8 S. Elle avait la calandre 4 phares de la R8 Gordini et elle avait une petite amélioration au niveau du carburateur, un double corps. C'est assez simple. Voilà. Je vais me taire maintenant et je vais laisser la parole à notre propriétaire. Tu t'appelles comment? Stéphane. Stéphane, tu viens souvent ici? Oui. Ouais. Avec tes deux voitures? Non, que celle-là. Que celle-là. Ouais. C'est la première fois que je la vois. Je suis désolé. Pourtant, elle se voit. Pourtant, elle se voit. Alors, est-ce que c'est une vraie d'abord R8? Est-ce tellement facile? Là-bas, c'est juste une caisse de Major que j'ai reconditionnée en S. Alors, bon, il faut le dire, c'est une R8 Major qui a été reconditionnée en S. Alors, pour reconditionner une R8 normale en S, c'est pas très compliqué en fait. Non, le moteur. Le moteur, c'est le même? Non, oui. Le carbu qui change. Le carbu, oui, c'est quand même en 108. Voilà. La 44 heures, bien sûr. Donc, un carbu double corps. Oui. Un Solex. Ça ne plus, ou un Weber, je ne sais plus. Bon, c'est bon, on ira regarder. Voilà. Le tableau de bord qui est différent avec des manos supplémentaires, qui se rapproche de Gordini d'ailleurs, même s'il manque peut-être un mano, hein, il est fusible par rapport à Gordini. Ouais. Ça se rapproche du. La tienne, elle est de quelle année donc cette Major au départ? Juin 69. Juin 69. Ouais. Et tu l'as acheté donc comme ça ou c'est toi qui as fait la transformation? C'est moi qui a fait la transformation. T'es carrossier? Non, du tout. Non, non. T'as fait ça sur le tas? Un copain mécano, un copain carrossier. T'es parti d'une basse selle ou d'une épave ou d'une voiture qui est en très bon état? Basse selle. Basse selle. Voilà. D'accord. Donc t'as tout désossé? Tout. Si, tout. Ouais. Et t'as repas en jaune? Parce que les R8S, je crois, hein, je crois qu'elles étaient toutes jaunes. Non. Non, ah. Elles n'étaient pas toutes jaunes. Non, non. Il y a des vertes et des blanches aussi. D'accord. Le vert, je ne sais plus le... Je ne savais pas. Comme les R8 Gordini qui n'étaient pas toutes bleues. Voilà. Moi aussi. Ok, donc les R8S n'étaient pas toutes jaunes, même si la majorité était jaune. C'est vrai que ça se remarque. Ouais. Donc, t'as mis une calandre du coup 4A. Oui. Ouais, tôle. En tôle. Et une calandre en polyester. Ça, c'est une vraie calandre 4 phares comme les R8 Gordini. Voilà. Ah, avec des phares. Ah, et on part bien à côté. Estafette. Ah, je ne savais pas non plus. J'apprends des choses ici. J'aime bien venir ici, j'apprends des choses. Voilà. Le moteur, donc. Oui. Comme vous êtes à l'heure, c'est le moteur d'origine. Oui. Et pour passer en S, je dirais, c'est un double corps. Hein, sur les R8 normales, c'est un simple corps. Et là, on ne va pas voir. Mais d'après ma mémoire, c'est un Solex. Hein. Ouais, c'est un Solex, on va dire. Ouais. C'est un Solex double corps. Voilà. Un alésage à peu. Alors, comme tous les moteurs arrière, le moteur est en porte-à-faux. Ça veut dire ça. Hein. Donc, le moteur est en porte-à-faux par rapport à l'axe des roues. Quand il est devant, c'est un moteur central. Voilà. Et donc, quand ils sont le toit, c'est au-dessus. Voilà. Et donc, comme toutes les voitures, comme tu vous disiez, hein, les voitures à moteur arrière, c'est vrai que ça apprend le pilotage, mais ça a aussi appris à avoir des accidents. Parce que bien sûr, quand ça partait du cul, ça partait bien. Bon, c'était une autre époque. Donc, sur ce modèle-là, le radiateur est à l'arrière.
ici. Il est refroidi par les ouïes que vous voyez ici. C'est-à-dire que l'air rentre par là et ressort par en dessous. Par en dessous, attends. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, ouais, c'est étudié. Hein. Vous voyez les tôles en bas là, et ben ça ressort, il y a un jour, ça ressort par là. Voilà, avec le ventilo ici. Le réservoir se trouve juste derrière la banquette arrière. Voilà. Ça c'est bien, parce qu'en cas de choc, c'était pas tout à l'arrière. La puissance de ce moteur avec le double corps, c'est pas très très puissant. 65 chevaux. 65 chevaux. Ouais. Mais la caisse, c'est pas lourde. Non, elle pas 700 kg et quelques. 700 kg. À l'intérieur, on a une vraie 4 places. Ouais. Hein, j'ai jamais eu des R8, mais j'ai eu des R10. Et c'était la même cellule. C'est pareil. C'est la même cellule centrale. Pour ouvrir le côté, c'est ouvert, pour que le public puisse regarder. Ouvrez la porte. Voilà qu'on voit l'intérieur. Elle est très très propre. Hein. Très 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 propre. On a des sièges qui sont très confortables. À l'époque, c'était assez confortable. À l'arrière, vous avez vu qu'on a des vitres descendantes à l'avant. Par contre, à l'arrière, c'est fermé. Je te laisse ouvrir. On a des glaces sur glissière, comme ça que ça s'appelait. Et il y avait la même chose sur les Renault 4 hein, et sur les Dauphines également. Ah ouais, oui, on tire comme ça. Et on fait comme ça. Voilà. Et on a une demi-ouverture. Qui c'est qui a une R8 là dans le public? Ou une R10? Personne? Ah bah, je suis déçu là. Madame, vous avez appris à conduire sous quoi? C'est une R10. Ah bah alors faut le dire. Ah ouais, c'est comme quelle année? 70. Il y a beaucoup d'auto-écoles qui avaient les R8 au Renault 10. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont appris à conduire sur ce type de véhicule. Hein, ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle des super souvenirs. Je peux m'asseoir? Oui. Alors, je ne veux pas trop m'asseoir parce qu'on m'entend moins quand je suis dans la voiture. Est-ce qu'on m'entend? Oui, moins? Bon. Non. L'intérieur est vraiment... Je ne vais pas rester pour m'entendre plus. Voilà. Bon, c'est vrai que par rapport, vous avez vu, à la Ford Fairlane qu'on a vu tout à l'heure, qui est pourtant plus récente de plus de 10 ans, c'est pas le même équipement. Hein, on n'a pas de climatisation, on n'a pas... on a peut-être un cerveau froid, déjà, encore, je suis pas sûr. On n'a pas de cerveau, on n'a pas de direction assistée, on a vraiment le minimum. C'est vrai que ça fait sourire aujourd'hui. On a un lave-glace quand même, regardez. Eh ben, c'était déjà, un lave-glace, c'était luxueux. Bon, il fallait pomper, hein. Il y avait un petit... voilà, c'est là. On pompait ici avec le doigt pour avoir... pour laver le pare-brise. Eh ouais, c'était pas électrique. D'ailleurs, là-dessus, on a quoi? On a un interrupteur pour les essuie-glaces, un interrupteur pour l'éclairage, donc porté. On a les clignotants. Et de l'autre côté, le clignotant, c'est à droite. Et là, c'est... Voilà, veilleuse, croisement et plein phare, et on a un interrupteur pour le klaxon. C'est pas non, ça, c'est pour soi. Non. Ah bon, d'accord. Un interrupteur en dessous pour les feux de position. Les feux de position sur les. Ouais. C'est quand on se garait à cheval sur un trottoir, on mettait les feux de position côté route. Voilà, il n'y a pas qui suivent, Ils ont perdu, ils ne se rappellent plus de tout ça. Et ouais, à l'époque, vous regardez sur un trottoir, il fallait allumer les feux de position côté route pour que les gens puissent visualiser la voiture. Alors on a des jantes, alors ça c'était pas forcément obligatoire, des jantes alliage d'époque, des gothiques. Ils veulent se faire voir. Oui, voilà. Tu vois pas? Non, c'est du Spectre. Ah d'accord. Donc t'as des jantes, c'est des gothiques. C'est des gothiques, comme on trouve sur les berlinettes ou les Renault sportifs de l'époque. Voilà. Si à l'avant dépasse un poil, non, t'es juste hein? Oui, ouais, ah, tu dépasses. Et souvent on mettait d'ailleurs une petite bordure ici, ouais, hein, sur les R8, pour que ça, au niveau du code de la route, que ça puisse passer. Ouais. Bon, bien sûr, on a le coffre qui est à l'avant, oui, où on met quelques bagages. Oui. Comment ça s'ouvre le coffre à l'avant? Comme ça? Qui c'est qui a dit un coup de pied? Non, comme ça. Qui c'est qui a dit un coup de pied? Comme ça. Ça s'ouvre avec une manette à l'intérieur. C'est recherché. Voilà. Et comme ça, dans le sens du vent. Allez. Comme ça, encore marche. Voilà. Ah, oui. Ouais, c'est là qu'elle a pas. La route de secours, elle est pas à sa place là. Non, sur la pointe. Ah bah oui, parce qu'elle est une jante un peu plus large. Voilà. La route de secours, elle va où normalement, madame? En dessous le châssis, comme ça. À l'avant. À l'avant. Donc la route de secours, elle va ici. Hein? À l'avant, normalement.
Bon là, elle rentre pas parce qu'il y a une jambe large. Voilà. Et quand il n'y a pas la roue de secours, on a quand même un peu de place pour remettre quelques bagages. De toute façon, si ça ne suffit pas, on met quoi? On met la galerie. Voilà. Et si la galerie ne suffit pas, il reste encore la remorque. Voilà. Un sac de sable. Mais le problème de sac de sable, c'est que ça retient l'humidité. Ça faisait fourrir la sur les dauphines. Ah oui, il y a pas les dauphines. Il y a pas les dauphines. Quand on les achetait dans les années 80, c'était pourri. Tout pourri. Eh bah oui, à cause de ça. Voilà. Et là, on a tous les lubrifiants, liquide de frein, liquide de la glace, le moteur de l'essuie-glace ici. Voilà. Et c'était l'équipement de série à l'époque. Voilà. Bien l'auto. Bravo à toi, on va te laisser repartir avec cette magnifique R8 jaune. J'adore les R8. Un jour, je crois que je m'en achète. Ouais. À bientôt. Ouais, donc, en quelle année? 69. Il s'est passé quoi? Ça ne marche pas. Ça marche bien pas dans le micro. En 69, nous avions une semaine de congé payé en plus. La quatrième semaine de congé payé. 4 semaines de congé payé en 69. En contrepartie, on a eu quand même un autre mois. C'est beaucoup moins loin. C'est les premières invitations à Tandis. Non. Si. En 69? Il est parti. Je voulais vous montrer quelque chose sur cette voiture. Ah, qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Il y avait un petit autocollant qui datait de 76, des 24 ans du Mans. T'as été assez réactif ce coup-là. Bon, ben voilà, si c'est passé en 69.